Swag, bonjour à toutes et à tous, ici Mepinou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild, épisode 44 aujourd'hui, messieurs dames. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Et on se retrouve avec Link Torsepoil et son petit calbut. Donc, je sais pas pourquoi il garde une petite pochette à chaque fois. Et une. Et bien sûr, la taille de Sheikah. Mais ce qui est con, ce qui est dommage, c'est qu'il garde sa sangle. La sangle qu'il utilise pour fixer les arcs. Et c'est dommage. Je trouve qu'il pourrait l'enlever quand il a pas, quand il a vraiment rien sur le dos. Mais bon, c'est pas bien grave. Aujourd'hui, donc, on se retrouve. On va mettre ceci. Voilà. Pour la suite de l'histoire. On s'était arrêté ici la dernière fois. Oui, bah oui, bien sûr. M'aurait étonné. Il se fout de ma gueule en plus ce truc. Mais il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule ce Korogu. Mais il se fout de ma gueule. Je tombe, on est d'accord. Vous allez voir. Je vais sortir de la boîte de dialogue, je vais tomber. Non! Ah, j'ai réussi! Chais! Korogu de merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le village d'Akala? Non, ça me paraît un peu petit. Je lis pas le Ilien, par contre. Hein. Village du zéro. De zéro. Eh, chaque fois, ils doivent repartir de zéro. Oh, la lourdeur. Bonjour, il y a une seule maison. Yo! Oh! Bien, on se connaît, mais oui! Je suis un charpentier de l'entreprise, c'est un associé. Rossin, c'est mon nom. Mais oui! Pareil, tu fais quoi de ta vie, frérot? Oh, un village, il n'y avait rien du tout quand j'ai commencé, il fallait partir de zéro. Vous voyez, je vous avais dit. Alors, c'est comme ça que de zéro. Putain, ils ont le même humour de merde que moi chez Nintendo. C'est que j'ai eu à peine de quoi construire un seul bâtiment pour entreposer le matériel. Apparemment, ce qu'on appelle un village, il va falloir du rab. Des ouvriers, des matériaux, des sous, de tout quoi. Ça dépend pourquoi. Ça me gêne pas. Alors bon, il faut du bois. 10 fagots de bois. Mais oui, mais gros, mais... Mais voilà, frérot. Mais oui, mais bien sûr, allez. Récupère ce fagot de bois. Ah oui. Yes, c'est un petit que ça. Putain. Voilà, moi. Ok. Bon, bah, du coup, si on croise un goron avec un prénom qui finit par IE... Eh bien, il faut l'amener ici. Cool. Ça va être chiant. Bon. Ah, on reconnaît bien. Allez, on reconnaît bien. Ok. Sympa, en vrai, il vit là et tout. Eh, non, mais je serai toi, mec. Je laisserai ça comme ça. Hein. C'est chez moi, c'est mon village, wesh. Mais je serai de lui, c'est ce que je ferai en vrai. Il est con s'il fait une d'autres maisons. Putain, il fait une terrasse et tout. Waouh, mais le mec quoi. Le mec il s'en bat les steaks. Bon. Ouais. Ok, c'est une... Comment ça s'appelle ? C'est une roulotte, en fait. C'est un truc qui avait... Voilà, c'est... Voilà, et on va juste prendre ça aussi. Voilà, mais j'y pense, hein. Voilà, merde. Oh putain, il pleut encore ?
Mais dans le dernier épisode, il a plu. C'est parce que j'ai redémarré le jeu. Oui, je le tourne dans la suite, hein, mais voilà. Pour la synchro, je préfère être sur le menu de la Switch, en fait. Mais... what the fuck, quoi? Putain, mais il pleut tout le temps, quoi. Ah non! Puis bien sûr, je vais me prendre une décharge, mais oui. Voilà, bon. Mais encore. Parce que c'est bien beau, tout ce bordel, mais bon, il pleut, hein. On va aller là-bas, ça avec quoi? Ok, donc il y a un petit village ici, 2-0. D'ailleurs. Non, c'est chiant. Et on court ensemble. Je cours avec le renard, wesh. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez rien faire. Ça m'ennuie parce que je pourrais tellement descendre en bouclier, enfin en surfant. Quoique ça me ferait arriver tout en bas et ça me ferait au final un peu plus suer qu'autre chose. Bim. Ok. Il y a des chevaux squelettes. Wesh, c'est pas Minecraft, hein? Ah oui, tu t'en bats littéralement les steaks. Ouais, j'ai compris. T'inquiète. Ouais, bon, c'est bon, hein. Me parle pas. Je suis pas ton pote. Bref. Donc, il y a des... Stalbokoblins. Sur des salles d'estrier avec des flèches de feu. C'est cool, non? On va se faire des boîtes. Je cours. Toujours plus. Oh, je vais avoir l'armée de la Russie à mes trousses. Bitch. Bitch slap. Salut le loup. Ça va m'emmener où ça? J'aurais pas le temps si. Oh, peut-être, attendez. Juste qu'il monte vite. Si, j'aurai le temps. J'aurai largement le temps. Easy peasy! Non, 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 tais-toi, je te parle plus. Je t'ai parlé une fois, stop. Il y a un truc là-haut, ça a l'air d'être un camp. Et à côté, il y a un relais. Oh, mais j'en ai marre de vos conneries! Là, ça te va? Non mais oh, c'est bon. Bien. Bonjour. Relais de l'Est d'Akala. Bien le bonjour. Salut. Plus à l'Est du monde.
Ok, donc j'ai une jauge d'endurance en plus. Why not? Terry, je te parle pas. Rien à signaler. Bonsoir. On m'a engagé pour monter la garde dans les environs. Mon nom est Oz. Oz, le coin est devenu plutôt dangereux ces derniers temps. Oui. J'ai récemment entendu parler d'une créature sinistre qui se fait appeler Kilton et qui rôde dans les environs. Il tient l'ordre des monstres et toutes les nuits se promène en tirant une charrette. Son apparence surnaturelle rend les environs de plus en plus inquiets. Laissez-vous un certain Kilton. Bon, je vois. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous fassiez un portail robot détaillé de cet individu. Vous n'avez pas besoin d'entrer en contact avec lui. Tout ce que je veux, c'est de savoir à quoi Kilton ressemble. Ok. Donc on doit photographier Kilton. Bonsoir. Quoi? Quoi? Tu n'imagines même pas à quel point mon seul plaisir dans la vie c'était de regarder brûler la flamme bleue dans cette lanterne. Un petit moment que le chef du laboratoire antique d'Akala n'est pas venu l'allumer. Il est où? Allumer les lanternes du coin avec la flamme bleue pour ses recherches. Mais bon, il est plutôt âgé maintenant, il peut sûrement plus sortir autant qu'avant. Vu! Tu ne peux pas le louper. Ah, j'ai! Ah, c'est cool parce qu'en plus, il s'active. Ok, cette jauge, je te... Là, 1, 2, 3, cette jauge, peut s'activer. Mais uniquement quand j'en manque. La cocotte! Eh, la cocotte! T'es moche, la cocotte! Voilà! T'es dégueulasse! Elle est dégueulasse, la cocotte! Méchant. Cheval, âne. Je prends tout en photo, bref. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a Candice aussi dedans. Hey, wake up! Oui, bah oui, montre-moi quelque chose, vas-y. Enfin, je te montre quelque chose. Enfin, c'est bizarre, bref, regarde. Ça, oui, t'as raison, c'est où? Pleine nord d'Akala, à l'ouest. Tais-toi, mais non, mais tais-toi, mais non. À l'ouest d'ici. Il tire une charrette, il a dit. Ok, why not? Alors, on va aller. Déjà, on va faire ce sanctuaire déjà, parce que j'avais zappé. Il est là, pardon. Je tourne rond, excusez-moi. Bon, en plus, il y a des flammes. Ok, il y a des flammes, il y a des lanternes un petit peu sur n'importe où, sur tous les côtés. De Katsutoza. Pas une épreuve de force, c'est chiant en force. Bref. Je pense qu'on avance bien, clairement, dans l'histoire. On a un rythme assez lent. Mécanisme de Katsutoza. Ah, c'est encore un truc, ok. Je comprenais pas. Non. C'est tout? Et là, j'ai fini le sanctuaire.
Il y a une grotte derrière là-bas. Ok. Merci. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Là, d'accord. Encore, mais non. C'est nul. S. Bon, c'est pas ouf ces mécanismes, hein. Clairement. Oh non! Elle a des pop, mais quel jeu pourrave! Elle était dedans, hein, pourtant. Bref. Tu rentres, s'il te plaît, dans le trou. Voilà. Allez, vas-y, comme hier soir. Voilà, merci bien. Voilà. C'est bon. C'est pas grave, j'en veux pas au jeu, mais bon. Alors ça, c'est cool aussi. Ok, il y a donc une longue épée des flammes, une longue épée électrique. Et une longue épée des glaces. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Arrête, arrête. Il est fou, le jeu. Le jeu est fou. Et celle-là, je l'avais prise en photo. Ah non. Voilà. C'est pas cadré, on s'en fout. On s'en fout. C'est juste pour pouvoir retrouver. Hein. Et encore, je pense pas en avoir vraiment besoin de ce système en vrai. Bref, on a donc nos quatre emblèmes du triomphe, on a débloqué un nouveau sanctuaire. Et on va donc pouvoir aller prier, je me recadre. Voilà. Parfait. Je sais pas trop ce que je vais me prendre. J'ai 8 cœurs, c'est ça? Je crois que j'ai 8 cœurs. Du coup, je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais peut-être... Du coup, si je suis, j'ai 8 coeurs. Pense que je vais prendre une jauge d'endurance. Courir en continu, c'est quand même pratique. Hein. Comme ça, mine de rien, ça compense le sprint, le non-sprint infini en fait. On va monter ce petit chemin. Et j'aimerais bien aussi faire cette quête de. Alors, soit le souvenir donc de la statue de la déesse. Soit cette quête de Kilton là, de ce monsieur un peu chelou qui tire qui a 1, 2, 3, qui tire sa charrette. Viens, on court ensemble, viens! Wesh! Viens, on fait notre footing à deux! Pauvre con, égoïste! Bon. C'est que la nuit, par contre, hein, il a dit le Kilton, je crois. Cette créature étrange. Du coup, on va monter au laboratoire. Ah non, du coup, donc c'est ça le labo. Certainement. Ouh, c'est chelou. Certainement. J'ai pas le réflexe. Je te protégerai. Ah ouais, je vois ça. Ah là, merci. Quand même deux. Deux boucliers pour ce con quand même, hein. Bon bref.
Oh, du coup, attendez. Oh, faut que je me dépêche de le faire maintenant, du coup, cette quête, j'imagine, pour les lanternes. Wouah, le sanglier qui t'a pas sprint. Et quoi dans cette forêt là pour que le sanglier se barre comme ça? Ok. Oula. Ça, on dirait pas un gardien. On dirait pas un gardien, le gros truc là. Ça, là, le truc gros truc au milieu. Ou un méga gardien, je sais pas. Ça se trouve, au château d'Hyrule, il y a des méga bordels qui vont m'attendre. Je vais pas comprendre. Je vais me prendre des sbubs de l'infini. Je vais faire ah, salut. Non, en fait, non. Canon des marteaux. C'est pas ma guerre. Laboratoire antique d'Akala. Ah, ok. Du coup. On va récupérer tout ça. Un ancien phare. Ok. Ok. Ah, du coup, même ce fourneau-là est pas allumé, hein. Ok, on va voir donc un petit peu ce qu'on nous raconte. On va rentrer dans ce laboratoire. J'entends une petite musique, c'est dedans peut-être. What the fuck? Mais pourquoi il y a des gardiens suspendus? Ça m'étonnerait, hein, c'est juste de la déco. Oui, c'est juste de la déco. C'est moi, il y a une petite musique. Aïe. Yeah. Hey, qu'est-ce que tu fais ici? Ah d'accord, c'est tout. Donc toi, ok, tu ne dis rien de plus. Toi, tu ne serais pas Link? Non, non, je suis boulanger. Si tu étais le vrai Link, il y aurait un tas de choses dont je devrais te parler. Mais comment le vrai Link pourrait-il seulement prouver qu'il s'agit bien de lui-même? Putain, oh le savant fou. Oh le savant fou. Ah mais bien sûr, il n'aurait qu'à me montrer la blessure qu'il a reçue il y a 100 ans. Je serais fixé, c'est simple. La blessure? Attendez. Qui es-tu? Si tu n'es pas un nain Farah, je ne peux rien te dire. Il manquerait plus qu'on nous vole nos secrets. Wow. La blessure. J'ai une blessure, moi. J'ai une blessure? Où est-ce que j'ai une blessure, moi? Ouais, je me souviens comme si c'était hier de ce corps couvert de cicatrices. Ta blessure a l'air de s'être refermée, mais je sais que c'est celle que t'as. Ah, mais je sais que c'est celle que t'as infligé le fléau il y a 100 ans. J'admets donc que tu es le véritable Link. Alors, reprenons. Je suis le spécialiste des gardiens, le directeur de ce laboratoire antique. Pour toi, je serai le docteur Faras. Je te félicite d'être arrivé seul jusqu'ici. Cette région est pourtant reculée. Alors comme ça, tu es allé demander de l'aide à la vieille prue. Ah, n'est-ce pas?
Quoi? Prua a eu un enfant? Moi? Mais non. Elle s'est transformée en petite fille, vraiment? On peut rien faire de comme tout le monde, celle-là. La connaissance, sûrement une expérience qui a mal tourné. Bref, revenons à nos moutons. Tu es au courant que le fléau retrouve peu à peu ses forces? Bien, alors j'imagine que je n'ai pas besoin de te faire part de notre situation. Moi tout. Bien, je vois. Dans ce cas, notre objectif à nous, les chercheurs Sheikha, est de débarrasser le monde du fléau, cet être maléfique qui traverse le temps pour ressusciter. Et cette fois-ci, il s'agira aussi de rejoindre la princesse Zelda, retenue par le fléau lui-même. C'est bien ça, elle est donc retenue. Elle lutte pas depuis 100 ans, enfin. Oui, mais à l'intérieur même, ok. Nous avons réussi à mener nos recherches à bien, mais nous sommes bien trop vieux pour affronter le fléau. Toutefois! Tu t'es sûrement réveillé à temps avant que je ne casse ma pipe. L'heure est venue, mon garçon. Il est temps. Toi! Il a l'air de t'allier au Sheikha. Débarrasse-nous du fléau! Oh, mais bien sûr! Toi et moi, nous allons coopérer et vaincre le fléau ensemble. Je ne vais pas t'embêter avec de longs discours, alors venons-en en fait. Je vais te fournir un équipement archéonique. Mais, parce que oui, il y a un mais. Ma très chère chérie, je veux dire, mon fourneau Sheikha va mal. Je ne peux pas fabriquer des équipements archéoniques. Ah, il faut encore apporter une flamme bleue du fourneau antique. Tu veux que j'amène d'ici une flamme bleue là-haut? C'est une blague. C'est pas vrai. Oui, c'est moi. Mais ce n'est pas du tout. Oui, c'est dit. Oh putain. T'es qui? Oh putain. Oui, les sanctuaires. L'œil gauche de l'étang du crâne. Le plus en altitude, l'autre plus bas, c'est l'œil droit. Bon. Bien, merci. Et là, bien évidemment, il n'y a plus de toi. C'était beaucoup trop la crise. Ok. Ok, je suis pas monté par le chemin conventionnel, c'est pas grave. Rouge maintenant, c'est de pire en pire. Demain, on va en choper des bleus. Moi qui vous le dis. Ok. Faisons le point. Une flamme bleue. Mais comment une flamme bleue? Je peux pas. Vous pensez qu'il faut faire le chemin dans l'autre sens? Non. Mais en fait, c'est juste impossible. Non. Me dites pas qu'il y a des... Vous imaginez, il faut faire. Mais il y a entre le labo antique des limites et le labo antique d'Akala, il y a la montagne de l'Anel, enfin la chaîne de l'Anel, et le plateau Zoran. Et les plateaux Zora. C'est infaisable. C'est impossible d'amener une flamme bleue de ce labo antique de là. Ah, ce labo antique là, c'est impossible. Il doit y avoir un truc à faire, autre chose. J'ai loupé un truc, c'est pas possible.
Me dites pas. Bon, bien. Ok. Où est-ce que... Mémoire de Pharas. C'était il y a 100 ans de cela, alors que le fléau Ganon eut englouti la princesse Zelda. Le professeur Prua et moi plongeâmes Link dans un sommeil profond au sanctuaire de la Renaissance. Quelques jours s'écoulèrent, nous décidâmes de quitter le village de Kokoriko et par conséquent Dame Impa. Fussions-nous restés là-bas ensemble, le fléau Ganon aurait pu ôter la vie à tous les trois. Nous ôter la vie à tous. Et plus personne n'aurait pu apporter les dernières paroles de la princesse à Link lorsque celui-ci serait réveillé. Il fallait impérativement qu'au moins l'un d'entre nous survive. Voilà pourquoi nous dûmes tous quitter Damim par les villages de Koriko. Par chance, nous détectâmes deux grandes sources d'énergie antique. Une en Ekuda, l'une en Akala. En nous installant à proximité de ces sources, nous pourrions continuer nos recherches sur le fléau Ganon. Tout comme quand on était au château d'Hyrule. Ok, donc ils vivaient tous au château d'Hyrule avant. Ok, nous tirâmes à la courte paille et le sort décida que c'est moi qui irai en Akala. Je me prêtais donc à partir pour Akala, mais c'est sans compter sur le professeur Prua. Meilleur abâché que je n'allais tout de même pas laisser une jeune femme aussi frêle qu'elle faire un voyage seule, je me résolus à l'escorter jusqu'à Nekluda. Elle avait tout de la femme idéale, intelligente, cultivée, belle, si seulement elle n'était pas aussi capricieuse. Je chargeais alors sur ma charrette la pierre guide qu'a utilisée le château d'Hyrule. Après avoir promis à Dame Impa que nous reverrions, nous quittâmes finalement le village de Kokoriko. Après avoir marché au-dessus des hauteurs de Nerisha et traversé le lac Celia ainsi que la plaine du Cerf Noir. Non. Nerisha, Celia, Cerf Noir. Non, c'est vers le muraille des limites. En celui après d'histoire, Link avait combattu une pléthore de gardiens jusqu'à épuisement de ses forces. Épéiste virtueuse, il était responsable de la protection de la princesse Zelda, mais aussi talentueux fut-il, il était impossible de vaincre un tel déferlement d'ennemis. Cher Link, comme je regrette de n'avoir pu te fournir l'arme adéquate contre les gardiens à cette époque-là. Après tout, j'étais celui qui les avait le plus étudiés. Alors qui sait, peut-être que toute cette tragédie aurait pu être évitée. Voilà ce qui me vient à l'esprit, alors que je m'imaginais les limites fourmillant de hordes de gardiens. Perdu dans mes pensées, je ne remarquais pas que le professeur Prua, qui me dévançait, avait disparu. Notre voyage ayant été plutôt paisible depuis le village des limites et les lieux semblant sans danger, je conclus qu'elle ne risquait rien à continuer seule. Je décidai que l'heure de la séparation avait sonné. De fait, nous nous quittâmes sans un adieu et je rebroussai chemin en direction du village de Kokoriko. Jusque-là, rien d'anormal. Après avoir accompagné le professeur Prua, certes uniquement sur la moitié du trajet, le temps était venu pour moi d'entreprendre mon périple vers Akala. Je repassais d'abord par Kokoriko, récupérer l'autre pierre guide, la charger sur ma charrette et reparti. Je voyageais inlassablement en traversant les îles des Es, puis me dirigeant vers le sud de la Tierce. Je savais que j'entrerais dans la région d'Akala dès que j'aurais franchi le grand pont d'Akala. Un parterre de feu écarlate s'étendait sous mes pieds alors que je traversais la passe de Malficio. Après avoir atteint la plaine Ordran, je me dirigeais vers le nord. La région d'Akala était connue pour être une des terres désertes, ce n'était pas plus mal. Toutefois, les gardiens surprirent à moi, mais ce n'était rien pour un spécialiste en la matière. J'atteignis enfin le phare d'Akala et déchargeai la pierre guide. Un tel bâtiment me laissait observer les déplacements des monstres. Il n'y avait finalement pas d'endroit plus sûr. Je décidai donc de m'y installer. C'est ainsi que j'ai commencé à mener seul mes recherches. Celles-ci qui devaient porter sur l'équipement archéonique qui servira à Link s'il devait servir un jour. J'ai emmené la flamme bleue du plateau rougevoyant pour faire fondre les matériaux les épurer. Plateau rougevoyant. J'ai utilisé pour faire les marques ioniques, mais consacrant tout mon temps à ces tâches manuelles, je ne sais pas dans mes recherches. J'ai eu alors une idée. Je pouvais aussi automatiser la transformation des matériaux. J'entreprends immédiatement de motiver une pierre guide antique pour qu'elle les transforme. Et ne me prenant plus qu'un nom approprié pour mon sujet, la réponse était évidente. Mon premier amour, chérie, serait plus approprié. Chariot m'aide à forger l'équipement archéonique en échange de matériaux. Oh, je vois. Après plusieurs années de travail, les pierres guides devaient enfin ma chérie. Je n'ai pas m'arrêter en si bon chemin. Je pouvais faire en sorte qu'elle forge elle-même l'équipement archéonique après avoir affiné les matériaux. Cela fait très grandement les choses. Non seulement pour moi, mais aussi pour le tout venant. Ok. Pardon, je me suis dit alors que chérie
serait encore plus adorable si elle pouvait parler. Ce projet me prend un temps fou. Permet à Chérie de forger directement l'équipement archéonique se révéla plus ardu que prévu. J'ai perdu plusieurs décennies. De plus, ma mère était très étrange, sûrement une erreur de calcul. Je m'arrêtais donc sur un échec. Le temps passa, les années avec. J'ai alors plus de 90 ans quand un jour une femme arriva chez moi. Elle s'appelait Gérine. Je n'aime pas l'avoir même assisté après son auprès du professeur Prud. Ah. Très combattante. Non seulement ramener la femme bleue du plateau rougeoyant ne lui posa pas de problème, mais en plus, elle a premier plan. Et le retravailla. Le fait même qu'elle ait voyagé seule de Cobré jusqu'à Kala pouvait prouver qu'elle sortait de l'ordinaire. En fait, elle était si extraordinaire que nous finîmes par tomber amoureux après quelques années de vie commune. Elle décida de nous marier. Grâce aux corrections apportées par Gérine, Chérie parvint enfin à forger l'équipement archéonique. Elle finit par s'exprimer correctement et très vite, son langage s'améliora considérablement, à tel point qu'elle devait être difficile de la distinguer d'une véritable hylienne et de voir en elle la machine qu'elle était. Elle était si cordiale que quand je lui ai dit bonjour à la médecin, elle accédait si précise qu'il suffisait de demander où est son livre pour qu'elle en donne l'emplacement exact, si efficace qu'elle pouvait même me prévenir quand la flamme du fourneau commençait à faiblir. Je me chargeais alors moi-même de la charger de la flamme bleue au plateau rougeoyant, mais cette relation que nous entretenions n'était pas du goût de tout le monde. Elle ne plaisait pas à Gérine. Elle a commencé à avoir de la jalousie à chaque fois que je m'entraînais. Chérie, pas d'un bon oeil, mon amitié avec une autre femme. Elle m'avoue en larmes que voir son époux parler à une autre, toute machine soit-elle, sans l'angoisser. C'est alors que je me rendis compte d'une chose. Gérine avait perfectionné Chérie, mais c'était cette même Chérie qu'aujourd'hui. On se fait chier. Je décidais donc de rendre à l'intelligence chérie à sa manière initiale de s'exprimer. Avant l'amélioration, je réinstalle moi-même sa mémoire. Je commence à avoir les yeux qui louchent en fait. Malgré en fait, toujours lire les trois mêmes lignes, c'est épuisant. Encore plus que jouer en fait. Malgré l'initialisation, il suffisait. La réinitialisation, il suffisait que je mentionne le nom de Chérie pour provoquer la colère de Gérine. Nous finîmes par l'intérieur de ce nom et la renommée Fourneau Sheika. Plusieurs mois s'écoulèrent et Gérine donna naissance à un magnifique garçon, le portrait caché de sa maman. Nous ne mêmes nad et vécûmes tous ensemble d'Akala, nous trois et une machine. Éphémère nous devons qui empêchait Flugan de se libérer. Je reçus après un long silence de sa part une lettre pour le professeur Pruya. Nad allait avoir 3 ans. Elle disait avoir terminé ses recherches portant sur des modules tels que Cinétis. Par vue, depuis nos adieux, elle améliorait des limites. Précédente lettre, dans une précédente lettre, elle écrivait à Cocorico, d'un véritable incapable. D'accord, elle faisait son éloge, non, quand on y était à Canel, il me semble. Me rappela que le moment était mal choisi pour profiter ainsi de la paix, et était plus en bras de mes propres recherches sur le plan archéonique. Putain, ces mémoires, elles sont longues. Nad était venu un beau jeune homme, en pleine santé, il grandissait tant qu'il me dépassait en taille. En amenant seul la femme bleue du fourneau voyant, il débuta son apprentissage. Je suggérais alors de partir en voyage et de découvrir le monde. Je savais que Nad était indépendant, mais sa décision de partir le jour même m'émut d'admiration. Me remémorer son apprentissage me rappelle un autre événement. J'avais envoyé une lettre au professeur Pruer quelques jours avant le départ de Nad. Je lui demandais si elle acceptait de le prendre sous son aile. Sa réponse fut courte mais claire. « Pas maintenant !» Qu'avait-il bien pu lui arriver qui justifie une telle objection? Je reçus après un silence de sa part une lettre du professeur Prua. Nad allait avoir 3 ans. Quoi? Elle disait avoir terminé ses recherches pourtant. Ok, c'est fini. Ok, non, j'avais plus que 2 choix et c'était page précédente. Ok. Donc. Ça s'est fini comme ça, ok. Chérie, le fourneau que j'ai écrit va mal, très mal, je ne peux pas. Au plateau rougeoyant. Là, plateau rougeoyant. Oh putain, ça l'opposait. Bien. On va tenter d'y aller. Je continue. Ça fait presque plus de 40 minutes. Mais je me doute bien que ce grand passage
était très long. J'aurais mis un truc au montage si vous voulez. Enfin, un sous-titre en gros pour vous dire d'avancer à tant de minutes si jamais vous voulez passer. Ok. Les mémoires de Pharas. On va amener cette flamme bleue. J'ai vu un moblin, bien sûr. Je lui cachais. C'est con, un moblin. Voilà. Oh, ça one shot. Elle est trop pétée. Elle est ultra pétée. Faut surtout pas que je l'utilise autrement. Elle est ultra pétée. Nice, ok. Super, j'adore cette arme. Ok, donc ici on a deux fourneaux. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Le retour des torches. Oh, dis-moi qu'il y en a une dans la maison, là. Une torche. Non, pas de torche, putain. Ellipse. Je vais passer. Bien, on se retrouve au laboratoire d'éthique d'Akala. Finalement, d'un commun accord avec moi-même, j'ai décidé que nous allions finalement amener la flamme bleue grâce à ces putains de torches dans le prochain épisode pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup trop loin. J'ai vu tout simplement le chemin à faire et y a tout ça. Donc on part de là, on descend, on fait au moins 2-3 tours du bordel. On doit passer par ce chemin ici et remonter par le même qu'ici. C'est juste infâme comme chemin. On fera ça dans le prochain épisode. Pourquoi il y a des piafs encore là? Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, un pouce rouge. Si elle vous a pas plu, je te fais le gros bisou. C'était la nous. On se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode de The Legend of Zelda. L'épisode 45. Bisous. C'était la nous. Ciao.